Martel, directeur général adjoint du club, en charge de, de la politique commerciale, des relations avec l'équipementier, la boutique, le stade. Comme vous avez pu le constater, donc, euh, ces maillots, on, on a vraiment souhaité garder l'identité du club. Le, la couleur grenat pour le, pour le club et pour tout le peuple grenat, c'est vraiment important. Donc, euh, j'ai privilégié, nous avons privilégié euh, de reconduire le maillot de l'année dernière avec la touche personnelle et de le customiser en accord avec l'équipementier. Que de bénéficier d'un maillot qu'on peut trouver par exemple sur les championnats anglais avec les couleurs grenat et des couleurs peut-être un petit peu bleu ciel, choses et autres. Donc on a vraiment privilégié de conserver notre identité et c'est pour ça qu'on a insisté avec l'équipementier. Je remercie l'équipementier Nike au passage de nous avoir accordé parce que ce sera quand même assez atypique dans tout le championnat de France. Les supporters, donc, on a fréquemment des, des réunions avec le, par le biais de l'association Cœur Grenin qui regroupe toutes les associations de supporters. Donc, on écoute aussi euh, les idées. On n'est on on est, on est pas fermé, bien entendu. Euh, mais le choix même euh, vient au président et, et, et moi-même pour un peu définir des, des nouvelles lignes de la saison future. En termes de vente, l'objectif, on est cette année à 4000 abonnés, donc on espère atteindre le seuil de 5000. Donc si on arrive à en vendre autour de 2-3000 maillots, on serait, on, on serait pas mal content. Aujourd'hui, vous aviez des sponsors jusqu'à présent, il y en a qui s'en vont, il y en a d'autres qui arrivent. Alors, point de vue des sponsors, là je, tiens, je profite de ces micros pour, pour remercier, vous avez vu la le Volvo, le groupe Théobald, qui, qui a poursuivi l'aventure. Donc déjà l'année dernière, ils nous avaient aidés, ils apparaissaient sur le domicile extérieur. Cette année, ils seront sur la face à domicile. Les, ma, les matériaux CMPM seront aussi à domicile. Le Conseil général de la Moselle, bien entendu, sera à domicile et extérieur. Et notre partenaire euh, Big Ben Interactive, qui est sur le dos du maillot, sera à domicile et à l'extérieur. Il y a une particularité euh, dans un maillot de Ligue 2 par rapport à celui de, de national comme l'année dernière. Euh, particularité non, ben surtout qu'en plus le règlement a évolué, donc je, on va peut-être découvrir cette année en Ligue 2, il risque d'y avoir euh, plusieurs partenaires euh, sur les maillots, euh, les tailles vont être peut-être différentes, les couleurs euh, vont être euh, euh, plus autorisées, les aplats de couleurs, donc on, ça va être la surprise un peu de, de tous les maillots du championnat de Ligue 2. L'année dernière, vous avez anticipé puisque la conception du Maillot se fait à partir du mois de novembre, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure. Euh, ça veut dire que vous pensez déjà à celui de l'année d'après, l'année prochaine 2014, et ça veut dire que vous réfléchissez même sur un maillot de ligue 1. Ça, je vous dis. Donc moi, je suis le directeur général adjoint. À mes côtés, il y a le directeur général adjoint Philippe Gaillot. Donc là, aujourd'hui, je sors mon joker, comme j'ai dit à vos confrères, et je laisserai Philippe. Mais bien entendu. Euh... Euh, on, on, on espère y accéder le, 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 bon c'est pas ma, mon rôle de vous parler du sportif mais par Rapport au maillot, j'ai déjà rencontré l'équipementier pas plus tard qu'il y a dix jours et où on est déjà en train de, de penser au maillot de la saison effectivement euh, 2014-2015. Vous savez que le, le FCMS et ses valeurs on, on, on reste quand même à, à, assez fidèles donc la priorité sera l'équipementier en, en, en place et puis d'essayer de trouver les solutions parce que nous le maillot c'est quelque chose de très important donc pour tous les clubs mais moi je parle pour, pour notre paroisse donc en particulier pour le FCMS et moi d'avoir le choix de d'un maillot grenin toutes les saisons différents ça, ça va être un, un critère important pour le choix de l'équipementier les produits euh, indirects justement euh, pour le club ça, ça ramène quand même euh, euh, pas mal d'argent les produits dérivés euh, par rapport à la boutique de, on a un accord avec la, avec Sport 2000 donc qui est important notre point de vente officiel est situé dans leur euh, dans leur magasin euh, les soirs de match la boutique est ouverte bien entendu et c'est sûr que c'est un apport euh, bon on est plus en termes d pour le club. Après, euh, il, faut rester, il faut rester humble. Hein. On revient d'une saison assez difficile l'année dernière. Euh, on n'est pas euh, le Real de Madrid ou Barcelone euh, où les produits dérivés, le merchandising, à, représentent vraiment euh, un chiffre d'affaires énorme. Nous, on veut monter tout doucement en puissance et je pense que ces, ces ratios-là, on, on peut en parler vraiment quand le club est en Ligue 1. Le nouvel espace euh, VIP carré -grenain. en fait, on va transférer le carré qui était dans le chapiteau. Dans un espace en dur, ici, derrière, euh, euh, en tribune ouest. Donc, le chapiteau, ça va être une nouvelle prestation. Le carré grenat une deuxième. Nos loges, la loge centrale. Donc, pour répondre à votre question, toutes les loges actuellement, on peut se féliciter et remercier les partenaires au passage, toutes les loges sont vendues. Donc, les 26 loges du euh, Stade Saint-Symphorien, la loge centrale, tout est complet. De même que le, les, les nouvelles prestations, on a, on a fait un, un bon début et euh, on, on est optimiste de, de ce côté-là. frise les, les 4000 abonnés, donc notre objectif était d'en de, avoir 5000. Donc euh, on, 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 on espère, il reste un mois et puis. Euh, de faire aussi un, un, un bon début de saison. Donc, euh, voilà. euh, en parlant de tribunes, d'où vient euh, l'idée de ce système de parkage dans les tribunes supporters Ce n'est pas une idée de parkage dans les tribunes supportaires. Ça, c'est un débat euh, assez important. C'est suite euh, à un rapport et à une réunion avec euh, M. Boutonnet de la brigade anti-hooligan. Euh, et des préconisations des, des services de police, où ils veulent que maintenant les, les supporters soient identifiés dans, dans leur zone, euh, où il faut qu'il y ait des, euh, des systèmes vidéo qui soient en place. Euh, donc tout ça, c'est en collaboration. Euh, et on a une réunion d'ailleurs ce soir avec les groupes de supporters. Et je profite aussi de votre micro pour dire que euh, nous, on a à, à la direction du club euh, avec Philippe Gaillot, qui était aussi intervenu dans, dans vos colonnes euh, il y a quelques jours. On va en parler ce soir au groupe de supporters pour essayer d'atténuer ces demandes qui ont été faites, ces préconisations, même ces obligations par les services de police, pour, pour essayer d'apaiser euh, un, un peu le climat. Mais bon, la responsabilité aussi sera à nos supporters. Si on arrive à atténuer un peu tout ça, c'est tous ensemble qu'on réussira et si tout le monde y met du sien, je pense que tout le monde sera, sera satisfait. L'idée, le, c'était les, les places qui sont debout derrière les, les deux buts pour nos deux groupes d'ultra, euh, c'était de les séparer par rapport au flux qu'il peut y avoir dans les tribunes, soit de positionner des bâches juste à côté des sièges, ou alors, euh, mais quand on a parlé de grilles, de grillage, je pense qu'il y a eu un amalgame de faits euh, par rapport au, au, en tribune est au groupe de supporters visiteurs, où il va falloir créer un no -man's land avec une grille, mais donc ça ne concernait pas du tout d'encager de, nos supporters.